Temps nuageux aujourd'hui en France, mais partons tout d'abord en Italie où le volcan Stromboli est entré en éruption. Oui, regardez, le volcan Stromboli est entré en éruption dimanche matin. Retour en France relativement calme ce matin avant une dégradation prévue à partir de demain. Mais côté ciel, ça n'est pas le grand beau. On retrouve un temps très très nuageux, très brumeux avec localement du brouillard entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore en allant vers la Bourgogne et le nord-est. On retrouve quelques belles éclaircies sur le nord, tout comme autour du golfe du Lion. Dans l'après-midi, c'est globalement l'amélioration, retour du soleil quasiment partout avec néanmoins un temps un petit peu plus instable, surtout en montagne au pied des Pyrénées, sur les régions centrales ou encore en allant vers les Alpes du Sud, mais partout ailleurs, globalement, d'excellentes conditions, surtout sur les régions du Nord, vous aurez toujours du soleil. Les températures contrastées ce matin. Si vous êtes à Reims, il fait froid. Si vous êtes en Corse, c'est beaucoup plus doux, tout comme du côté de Nice, avec 16 degrés ce matin, 15 degrés à Toulouse ou encore 2 petits degrés à Lille. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent à peu près stationnaires. C'est très doux pour la saison, avec 23-24 degrés en moyenne entre Montpellier et Toulouse. Vous aurez 19 degrés à Paris et localement jusqu'à 25 degrés à Marseille. À partir de demain, changement de décor avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On va retrouver un temps très instable, défilé de perturbations jeudi, vendredi et samedi avec un week-end, vous l'aurez compris, automnal malgré des températures plutôt douces.